Ouais, bon, votre prospection s'est bien déroulée quand même. Ah, nous avons chevauché par les monts et les veaux, traversé la contrée au galop et au trot, et avons épuisé nos culs et nos chevaux. Un bon coup de Saint-Mont ne serait pas de trop. À coup sûr, un gorgeon derrière la cravate pour moi et mon compère nous remettra sur pattes. Vous m'en voyez désolé, messieurs, mais nous n'en avons plus. Je vous ai servi le dernier tonnet hier soir, justement. Comment, dans ce pays où fleurit la vendange, les chais n'abritent donc que des fûts en vidange? Ce sont les châteaux bordelais et Manor et Castel qui accaparent la quasi-totalité de la récolte. Les uns, pour l'expédier outre-Manche avec l'appellation Saint-Émilion, hein, et les autres pour stocker et faire monter les prix. Entends ça, Philibert. Vois comment la finance pervertit un pays où règne l'abondance. Et aussi le beurre rance. Pourquoi tu dis ça? Pour faire de la poésie. Bon.